C'est à vous, chef, officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible.